Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dissident World. Et c'est parti, le petit F5, le petit F1, on remet l'armure avec les bottes qui sont presque nazes. Voilà, on va se réattaquer à la tour, mais avant, hop, hop, regardez ça, c'est Neige qui l'a fait, j'en suis sûr. Hop, voilà, une blonde avec un bébé zombie. Franchement, ouais, c'est hyper beau, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est la place de la blonde. Voilà. Et ben, bravo à toi, Neige, hein. C'est superbe. Donc, on va se réattaquer à notre tour de téléportation. Alors, que nous faut-il? Que nous faut-il? Il nous faudrait du grès. Du grès. Hop, que je transformerai en escalier. On va faire le deuxième étage. On va faire un petit EP. Et vraiment un petit EP hein, où on fait le deuxième étage. Parce que je suis encore chez mon père et que les uploads se font avec la Wi-Fi. Hop. Et qu'il faut que je upload le plus vite possible parce que ça me fait laguer sur Ragnablock. J'ai eu des morts parce que j'étais en train d'uploader et que je laguais à mort, quoi. 1, 2, 3, 4. Je monte de 4 avec la brique de l'End. Donc, on va prendre ça. On va monter là. Hop, comme vous voyez, j'ai fait tout le parterre là-bas. Donc, une. Hop. Une, deux, trois. Deux, trois. Quatre, quatre. Voilà. Hop. Donc, comme vous le voyez, je décale un petit peu pour qu'elle fasse un petit peu plus large. Une. 2, 3, 2, 3, 4, 4. Hop. Voilà, je me prends des coups. Et comme j'ai le beacon pas loin, je régénère. 4, 4. Je crois que c'est pas bon pour l'armure, ça, par contre, non? Bon, toujours 19. Ça va. Et 1, 2, 1. Nya. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Voilà. On va reprendre le pattern du dessous en plus large, tout simplement. Hein. Donc, le pattern, le pattern, le pattern. Vous constatez que j'ai fini le parterre, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et les téléportations seront sur les quatre coins. Et c'est pour ça, seront sur les quatre coins, ici, en haut, et en haut encore. Il me faut des escaliers pour mettre à chaque... alors, attendez. Non, c'était là. Si, parce que là, ça va être tenu, là, ça va être des vitres. Là, c'est par où on rentre, là, ça va être des vitres. Donc, je vais mettre des escaliers, vous allez voir. Ça va être joli! Hop. En tout cas, je suis bien content parce que ça vous a plu déjà le bas. Donc, on va essayer de faire un joli haut. Donc là, ça va faire office de vitre. Hein. Vous allez de vide, de verre. On verra. On verra. Donc là, normalement, je mets ça là. Je mets ça là. Voilà. Et là, on fera un petit parterre. Donc, je vais mettre tout le tour là. Là. Hop. Là. Là. Donc, je pense que je mettrai juste trois étages. Je mettrai cet étage là. Donc, hop. Où je referai un parterre équivalent. Hein. On va pas changer trop de parterre parce que
On va pas faire Harlequin, hein, donc on gardera ce parterre-là. Je ferai donc celui-là qui est plus large et je resserrerai de nouveau le troisième étage, comme ça, où on mettra aussi des vitres, hein, où on mettra pas les portes c'est que là. Je resserrerai de nouveau le troisième étage et on fera un petit toit, mais ça on le verra dans le prochain épisode. Bien sourd, bien sourd, bien sourd. On mettra, je pense. Alors attendez, parce que là ça va, là ça monte. Donc on mettra peut-être à ce niveau-là. Et on laissera un petit écart de toute façon sur les bords. Et on verra comment on fera, en tout cas. Donc on va tout de suite mettre. Hop. On va s'attaquer le dehors. Au dehors. Au dehors. Non, ça va comme ça. Il faudrait, oui, monter les murs. Donc, je suis en train de regarder. Hein. Veuillez m'en excuser. Je suis en train de regarder. On va mettre. Hop, est-ce qu'il m'en reste des dalles? Il m'en reste pas des dalles. Donc, grès, on va garder ce grès-là. Grès. Si il m'en reste quelques dalles, mais on va dalle. J'espère que j'en aurai assez au moins pour cet épisode, que j'aille farmer plus tard. Je vais monter, je vais monter par là, que j'aille farmer plus tard. Dans le biome désert. Ouais, si on va le mettre plus haut, vous allez voir. On va le mettre d'un cran plus haut. Alors attendez. Qu'on mette le parterre là. Et là. Ah ouais, mais on est obligé de descendre. Ouais, non, c'est mauvaise idée. C'est mauvaise idée. Tac, tac. Là, on peut le garder plus haut puisque c'est les fenêtres. Hein, c'est pas gênant. On va hop, hop. Vous allez voir comment on va faire. Les piliers, là, ils étaient où? Hop. Parce qu'on va peut-être les monter, les piliers, non, pour faire les murs. Donc les piliers étaient là. Là. Vous allez voir. On va monter donc 1, 2, 3, 4. Hein, pareil. Est-ce que je l'ai toujours ma brique de laine de ouais? Ah non, mais ça monte plus haut de toute façon. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, ça monte dessus. N'est-ce pas? Ouais, donc on les monte, quoi qu'il en soit, dessus. Hop, vous allez voir. Je vais prendre la brique là. Donc, je mets le pilier là. Et là. Et le pilier là. Et là. Et là, donc, il y aura le petit dessin. Et pareil, donc, là. Hop, j'arrive ici. Et donc, pareil là. Hop. Merde, je vois pas. Ouais, j'ai besoin de descendre. Je suis en train de regarder. Ouais, on va faire comme ça. Et on fera un petit. Non.
On fera un petit dessin un petit peu chouettos. Donc là, ce sera les piliers. Donc on va faire tout le contour comme ça. Tac. Tac, tac, tac. Hop. Il y a de l'orage. On va faire un petit slash Weather Clear, hein, les amis. Hop, et un petit slash Time Set Date tant qu'on y est. Et on va donc continuer notre tour. Hop. Ouf. Je risque de manquer de grès par contre pour faire le. Pas pour faire le contour. Pour faire le reste. Donc ça risque de se transformer en épisode farming. Rassurez-vous, j'irai en prendre qu'un petit peu. Hop, faire comme ça. Tac, tac. Voilà. On va donc mettre ensuite. On saute 1. 1, on saute 1 à chaque fois comme ça. Le reste, c'est pareil. On saute 1 à chaque fois. Tac. Celui-là, pareil. Voilà. Et on les monte de 4 comme les autres. Hop. Voilà, hop, hop, tac, 1, 2, 3. Donc ça fait 2. Je n'ai plus de briques de l'End, donc il faut aller en chercher. Hop là, j'espère que j'en ai dans les coffres, normalement, oui, hein, briques de l'End, 64, oui. On avait fait le plein, les amis, on avait fait le plein. Je vais casser celle-là. On revient là. Donc 2. On va la remettre dans le tas. Hop. 3. Et 4. Voilà. On fait le tour et on va hop, monter de 4 celle-là aussi. 1. Hop. Et 4. 8. 8. Hop, recule un peu. Oh non, tu veux pas reculer. 3. Et 4. Voilà qui est fait. Hop, par la suite. Par la suite, entre donc, c'était les escaliers. C'est là où j'ai peur de manquer. Tac. C'était un à l'endroit, un à l'envers. Un à l'endroit, un à l'envers. Hop. On se casse joyeusement la goule. Dans le coin, on verra ce qu'on mettra. On mettra sûrement. C'est là où j'avais pris des barrières de boulot. Hein. Donc là, pareil. On a quatre escaliers. Je vais voir si j'ai assez de grès après. Un à l'endroit, un à l'envers, un à l'endroit, un à l'envers. C'est là où j'avais pris des barrières de boulot parce que le boulot est blanc aussi. Et c'est quoi ça? Grès poli, grès sculpté,
Briques de laine dans à plus de gré. On va aller en prendre, les amis. On va y aller tous ensemble, gaiement. Parce que le bois est. Le bois de bouleau est blanc, et donc ça dénote pas. À mon sens. Hop. Vous allez voir. Hop. C'est bien du boulot, hein? Ouais, bois de bouleau. Hop, voilà. Vous voyez, ça fait un petit. Ça change, une petite fioriture. N'est-ce pas? Donc là, on peut les mettre dans les quatre coins. On va voir à combien on en est d'épisodes. On va aller se farmer un peu de sable. Sachant que le sable, il faut pas le faire cuire hein, pour faire du grès. Donc, il suffit de le mettre en quatre. Donc, ça sera. Hop, on va le mettre là. Et puis le bois de bouleau, comme ça, mis comme ça change un peu de matériau. On bosse pas toujours la brique et le grès. Vous voyez. Ce qui peut. Hop. Ça casse un petit peu. Et franchement, je trouve ça assez sympa. Donc là, vous voyez mon inventaire. Je regarde à combien on en est. On en est à 16. Donc on a le temps. Donc on va aller. Est-ce que j'ai ma pelle? J'ai ma pelle. On va aller farmer un peu de sable. Donc tous ces téléporteurs-là seront transportés dans la tour et donc seront réalignés. Mais le point de réapparition restera ici. Je ne vais pas réaligner les téléporteurs de l'autre côté. Celui-là, par exemple, téléporteur, il reste tel quel. Je ne vais pas le réaligner. Donc ça, c'est un petit village qu'on a trouvé, qui est assez sympathique. On a éclairé à mort parce qu'on veut le garder et le refaire. Si possible, mais voilà la zone tout autour, c'est une zone de farming. On va en prendre. Alors, attendez, hop, ce serait bien que je mange un petit peu. Comme vous voyez, il y a eu déjà un cratère de fait. Toucher de soi, efficacité 3, solidité 3, parfait. Comme vous le savez, j'ai du mal avec les efficacités quand ça tape trop vite. Encore que là, c'est pour farmer, c'est pas du. C'est pas de la précision, donc ça va. Mais quand ça va trop trop vite aussi, un truc qui est attenant et que ça vient pas de nous, hein, ça vient de Mojang. Quand ça va trop trop vite, vous farmez le bloc comme ça et vous vous retrouvez dans un bloc invisible. C'est que vous l'avez farmé, pour le jeu, vous l'avez farmé, mais pour la mémoire, il est encore là parce que ça a été beaucoup trop vite. Et ça, Mojang n'a rien fait pour. Voyez, j'ai déjà pas mal de blocs. Je pense qu'on en aura assez pour finir, non? Sable 29. Sable. Et ça, je pense que Mojang pourrait retravailler sur l'encodage de ce système-là, que quand on a trop d'efficacité, ça crée des blocs invisibles, parce que bah, l'outil va plus vite que le jeu calcule les idées tombées, quoi. Les blocs tombés, en fait. Puisque le jeu, lui, ne calcule pas par bloc, mais il calcule par identifiant. C'est de là que peuvent naître les glitches avec le sable blanc, sable rouge aussi. Hein. Le fait des identifiants, parce que le jeu calcule par identifiant et pas par bloc. Hop là. Et quelquefois, quand ça va trop vite, bah nous on dit bah tiens, j'ai tapé ce bloc, et puis le jeu dit bah il est là, mais il n'est pas là, mais. Et du coup, il ne le reconnaît pas comme tombé. Donc, vous, visuellement, vous l'avez dans votre inventaire. Mais ça crée un bloc invisible parce que le jeu ne le reconnaît pas
comme un bloc tombé. On va mettre le slash timesetday pour protéger les villageois, bien sûr. Et on va retourner. Hop, j'ai du sable là. C'est parfait. Ça nous suffira pour finir. Pour finir l'épisode, en tout cas. Pour finir ce qu'on a à faire sur la tour. Donc la saison précédente, c'était Dany qui avait fait la tour des téléportations. Et cette saison-là, c'est moi qui l'ai fait. Hop. Voilà. C'est normal hein, qu'on a l'impression qu'on est dans un bloc de terre. C'est comme chargement de terrain. Vous voyez? C'est pareil. Quand vous changez pour aller au Nether. Donc, on va poser quelques trucs, donc briques de laine, on va les garder sur soi, les dalles aussi. Le grès, bah, j'en ai qu'un, donc on va le poser. Sable, sable, sable. Voilà, donc on a 64 de grès. Donc on va le départager en 32 et faire les escaliers. Hop. Donc on a posé nos barrières. On va les garder sur soi, les barrières, c'est pas. Et on va faire donc le tour. On va finir notre petit tour comme ceci. Tac. Hop. Là, c'est là. Hop, ah. Hop, entre. On pourrait peut-être mettre. Faites voir. Entre, non. Je vais mettre du grès sculpté. Vous allez voir. Est-ce que j'en ai beaucoup? Ouais. Grès sculpté, vous savez, c'est les figures de creeper. Et là, on mettra. Ah, je serais bien tenté de remettre justement mes barrières. Hop. Normalement, c'est là la bougie, enfin la torche. Ouais, j'ai tendance à dire bougie parce que à quand Mojang nous fera des vraies bougies? Et je suis d'ailleurs assez content pour ceux qui suivent Ragnablock. Vous voyez que les torches chez nous, avec notre pack de textures, ressemble justement à des bougies. Et ça, c'est génial. Des bougies et des lampes quand on les pose à terre. Et ça, c'est génial. Donc voilà, Fandy qui nous a fait le texture pack, le ressource, oui, le ressource pack, le texture pack de Ragnablock, qui est vraiment sublime. Un texture pack Fallout, donc, puisque notre thème sur Ragna est Fallout. Hop, et un texture d'ailleurs que je garderai par la suite. Et qu'on partagera, mais à la fin de Ragnablock. Hein? Faut que je récupère mon escalier. Là-haut, là en bas.
Ouf, c'est lequel qui manque? Là. Donc on partagera, oui, à la fin de Ragnablock, on partagera le texture pack fait par Fonzie. Donc voilà, j'ai fait le tour comme ça. Et je verrai bien. Alors attendez, on va aller hop, voir la première. Voir ce que ça donne. Pendant qu'il flotte encore. Tac, 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 tac. Et là, donc, on va peut-être mettre, on va peut-être rehausser de dalle. Hop. Ce qui est pas mal. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Donc, il faudra mettre un truc comme ça. Ou alors, laisser ça là. Attendez. Non, parce qu'il monte. Donc on va monter quand même. Donc mettre bloc à chaque fois. Hop, voilà. Le bois, ça casse un petit peu le fait du grès et de la pierre de l'Ende. Et je trouve ça pas déconnant. Ah, j'ai oublié de mettre ici. On va le mettre tout de suite. Il manque juste les sculptés, ouais. Voilà. Et ici. Et il manque des escaliers ici, donc on va les mettre. Et on va pas tarder à mettre fin d'ailleurs à l'épisode. C'est quel côté qui me manque? C'est quel côté qui me manque, s'il vous plaît, monsieur? C'est celui-là. Tac, 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 toc, toc. Voilà. Voilà. Et on va monter d'un de plus pour mettre celui-là. Voilà. Hop. Ensuite, on mettra à ce niveau-là. Donc alors attendez, comment ça fait de l'extérieur? Est-ce que ça fait bien? Déjà, slash weather clear slash time set day. Voilà. Oh, ça fait sympa comme ça. Ça fait partout comme ça? Oh, mais ça fait assez sympa. Je ne vais pas m'envoyer des fleurs, mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ouais. Franchement, j'aime bien. Donc, hop. Ce qu'on va faire, c'est mettre à ce niveau-là le sol. Donc là, ça dépassera forcément, ça fera des. Je vais vous montrer avec de la netherrack. Je vais mettre le même sol qu'ici. Peut-être inversé. Ou peut-être le même. Non, le même, j'aime bien. Donc, ça fera comme ça, le sol. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc, ça fera des bordures ici. Et là, on aura justement. On rajoutera un bloc, puisque là, c'est une dalle. On rajoutera. Quand on fera le téléportation, donc on mettra un bloc et on fera le truc dans le coin, voilà, de téléportation, mais le sol se prendra comme ça. Tout simplement. Donc pour aider à mettre le sol, vous allez voir, on va faire un petit peu. Tac, je vais mettre un petit sol en nether
en Ezerac, comme ça, avant de se quitter. Et je finirai, bien sûr, je l'ai mis près des escaliers, c'est pas bien grave. Bien sûr, et je finirai l'épisode là-dessus. On va juste casser la couche supérieure, puisque c'est là où va y avoir le sol définitif. Ah, par contre, on va voir ici. Faudra mettre une petite fioriture. On va voir justement. Alors attendez. Je vais aller le prendre, les coffres. Je suis perdu, moi. De face à la maison rouge. On va voir justement. Hop. Pour aller plus vite, hein. Vous l'aurez compris. Alors. C'est du côté où on veut que le soleil pointe. Alors attendez. Tac. Contre les murs, c'est le soleil. Je vais essayer de. Et là aussi, hein, contre les murs, c'est le soleil. Et le soleil finit dans les coins. D'accord. Ah, c'est. Voilà, comme ça serait. Et là, comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça. Non. Ça. Non. C'est dissident, c'est dissident. Attendez, je vais échanger avec les barrières. Ensuite, ça doit pointer par là, ça doit pointer par là. Voilà. Hop. 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 Voilà. On va faire jusqu'à. On va en mettre plus et on va regarder de dehors. Justement. Ce que ça fait. Tac. Tac. Tac, tac, va finir cette petite bande-là, tant qu'à faire, et on se laissera une fois, ben on aura regardé, quand on aura regardé de dehors. Tac. Tac et tac, voilà. Donc, on va défaire la partie Netherrack en dessous. Voilà, sans défaire, merci. La partie, comme par hasard, c'est un escalier. Hein. Quand je vous le disais que pour la précision, les pioches comme ça, c'est pas pour moi. Bon, on va garder. Ah! Putain, mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Allez, viens là, toi. Allez! Non, il est pas venu, hein? Ah là là, bon, je prendrai une pioche en fer pour les précisions, c'est juste pour voir ce que ça donne ça. Donc, on est là, clairement là. Et comme ça. Ça fait pas mal, non? Oh, ça fait joli en plus, non? Fais voir un petit peu.
C'est là donc qu'il faut le mettre. Non, je ne sais plus où. Très bien. Ou alors on laisse le sol comme ça, donc je casse cela et ça reste comme ça. Du coup, ça a fait changer cela, non? Non. Non, non, ils sont toujours là. Ouais, on verra comment on fait. Ah oui, mais eux, ils sont ouverts, c'est pour ça. Pourquoi eux, ils sont ouverts et pas les autres? Et eux, ils sont... Ah oui, mais c'est ils sont fermés parce qu'il y a les blocs. Si je mets du bloc là, enfin, du bloc en dessus. Ça va de nouveau les... Non? Ouais. Et du coup, ça sera plus... Non, je les ai mis derrière, c'est pour ça. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus comment ça avait fait, les amis. Et pourquoi là c'est ouvert? Là. Bon, on va laisser comme ça pour le moment. J'y réfléchirai. Hein, on va mettre fin à l'épisode, de toute façon. J'y réfléchirai. Ouais, si, si, c'est bien comme ça. J'y réfléchirai, peut-être que... Ah. Bon, peut-être que j'y laisserai comme ça, hein. C'est pas plus déconnant, hein. C'est pas plus déconnant, ça fait sympa. Ou que je rehausserai le... Faites voir un petit peu en haut. Ah là là, là 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 là. Non, faut pas le rehausser. Non, mais peut-être qu'on le laissera comme ça, parce que c'est pas déconnant, ça fait joli. Ça fait de la couleur en même temps. Donc ça fait. Tu vois, ça fait assez sympa. Voilà. Donc on va se quitter sous une nuit pluvieuse. Je vais vous quitter face à. On va pas se quitter sous une nuit pluvieuse, hein. Merde. Ça m'a pas pris. Hop, voilà. J'ai dû rogner sur un... Hop, hop, hop. Voilà. On va se quitter là. Voilà. Je prends des risques avec les mobs. En attendant, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et j'interagirai toujours avec délices, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, filles, amitié, yoga. Et à très très bientôt, bye bye. Voilà, il est mort et moi je brûle. Il est mort et moi je brûle. Il est mort et moi je brûle. C'est pas évident, WF5. Je vous le dis. En tout cas, voilà. Bisous, filles, amitié, yoga, et à très très bientôt. Bye bye.